Hello, bonjour, je viens de parler de la petite Lilibette. On va parler de son anniversaire. Comme vous le savez, petite Lilibette va dans bientôt fêter son anniversaire. Elle est née un 4 juin, donc ça sera son deuxième anniversaire. Donc on va faire ce qu'on appelle un flashback, c'est-à-dire un retour en arrière pour parler de son premier anniversaire. Alors vous allez me demander pourquoi je parle de Lilibette et non de Archie. J'avais déjà parlé d'Archie auparavant, mais Lilibette parce que une personne qui a reçu une commande de Meghan Markle pour l'anniversaire de Lilibette avait posté le gâteau qu'elle avait fait pour Lilibette. Il s'agissait d'un gâteau personnalisé qui avait été commandé par Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Et Claire, c'est le nom de la personne qui a une pâtisserie à Londres, et ça s'appelle Claire's Dessert, a posté sur Internet le gâteau qu'elle avait fait pour Lilibette. Elle a dit qu'elle a été étonnée de la commande qu'avait passée Meghan Markle pour sa fille. Elle ne s'attendait pas à ce que Meghan Markle la contacte pour ça et qu'elle était très heureuse de pouvoir faire ça. Dans son nom, c'est Claire Tack. Comme je disais, elle a une pâtisserie à Londres. Elle a fait un gâteau pour Lilibette. Le gâteau, c'est le Lemon Elderflower Cake. C'est un gâteau au citron et à la fleur de sureau. Et c'est un gâteau couleur crème, hein, même si on a l'impression que c'est rose, mais pourtant ça l'est pas. Elle dit qu'elle avait été très heureuse, déjà très surprise, d'apprendre que Meghan Markle était intéressée. Elle a été heureuse qu'elle puisse la contacter pour qu'elle puisse faire le gâteau pour sa fille. Ce qui est intéressant ici, c'est que le gâteau qu'elle avait fait est une version d'un gâteau qu'elle avait aussi créé pour le mariage d'Harry et Meghan. Le gâteau de Lilibette est une mini-version un peu différente du gâteau qui avait été fait pour le mariage de Harry et Meghan. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais parler de ce gâteau-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.